Allez, salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Prize on Architect, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc, je me suis un peu renseigné sur la laundry, donc on va faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc j'ai lu à peu près ce qui pouvait se passer, alors faut savoir que la laundry est buggée. Il y a certains patterns qui font qu'elle peut mieux marcher, mais c'est assez... C'est buggé quoi, c'est buggé. Il faut aussi savoir que c'est une pièce qui est très... dangereuse. C'est pour ça qu'on va mettre un sprinkler et un drain. Ce que j'ai lu, c'est une des zones les plus dangereuses du jeu. Alors il faut aussi savoir qu'il y a eu un patch hier. Attendez, cette vidéo est publiée samedi, donc il y a eu un patch hier exactement sur Prize on Architect. En fait, c'est le jour où j'enregistre aussi samedi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Enfin, il y a eu un patch et en gros, je n'ai pas lu le patch. Donc, il y a peut-être plein de modifications dont je ne suis pas au courant. Je les lirai pour le prochain. A foreman? J'ai un foreman. Pas de soucis. Ok, donc est-ce qu'ils vont faire ça? Très bien. Et il faut de l'eau pour le sprinkler. Peut-être que c'est vrai que ça serait intelligent. Nous sommes dans une situation plutôt problématique, hein, on va pas se mentir. On a très peu d'eau. Vraiment, très peu d'eau, très peu d'argent. Nous sommes vraiment très très borderline. C'est le moment de la douche, donc tout le monde se fout sur la gueule, c'est normal. Ils sont obligés de se sociabiliser, vous comprenez, c'est compliqué. Donc, voyons voir. Je pense qu'il y aura assez de bouffe pour tous les prisonniers. Voilà, nickel. Bien joué, mes cookers. Vous jouez du pâté. Donc j'ai plus qu'à espérer qu'à un moment ou un autre, la laundry fonctionne. Et on va atteindre les revenus pour pouvoir faire la CCTV, ou la caméra de surveillance. C'est Closed Camera Television, pour ceux qui sont intéressés par les acronymes. C'est ça grosso modo. Et en fait c'est de la surveillance. On va voir qu'est-ce qu'il a trouvé. J'ai pas le droit de savoir. Eh, merde. Alors il faut aussi que je commence à m'inquiéter pour des potentiels trous, pour des évasions. Mais ça, j'ai pas encore compris comment on fait. Max Japten. Ah, j'ai 1000$. Même pas assez. Argh. Dans 5 heures, je perds un prisonnier. Et donc de l'income. Staff exhaust. Ça, c'est nouveau, ça. Faut que je fasse quoi? Une staff room? Il faut quoi dedans? 4 par 4, d'accord. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Pff, putain, mais je vais pas réussir à la construire. Ça va me coûter trop cher en fait. On va voir. Il faut dedans drink machine 500$, wife sofa et sofa. Jamais j'arriverai à la construire, ça va me coûter trop cher. Il va falloir plus d'income là, ou virer quelqu'un. On va voir. Je vais virer un staff. Pour augmenter mes revenus, parce que là je suis niqué quoi. Il me faut sofa et drink machine. Sofa chair double. Euh,
Ok, alors si maintenant en plus il faut que je prenne en compte ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et non, c'est ça qu'il me fallait. Ça coûte 300. Oh là là, c'est la méga lose. C'est la méga lose. Alors, est-ce qu'ils ont débugué au moins les... La laundry, est-ce qu'ils sont en train de faire le... C'est bien que t'ailles là-bas, s'il te plaît. Je vais bientôt devoir ouvrir ma prison parce que... La douche... C'est devenu chiant là avec leur machin. Donc j'ai des prisonniers qui sont partis, j'en ai 24. Ça arrive par 8, c'est ça? Le problème c'est que j'ai pas de budget quoi. J'ai juste pas de budget, ça va être la merde. Comment va-t-on se sortir de cette situation? De plus en plus compliqué, Prison Architects. Oh putain, il y a de plus en plus de contrebande par ici. Ok, ils sont en train de manger. Oh, merde, c'est la méga loose quoi. Je n'ai plus du tout d'argent. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que on arrête la saison ici et on essaie de se reprendre un truc bien? Mais je peux pas la vendre, je crois. C'est bien parce que work. Personne ne work actuellement. C'est compliqué. Huit, onze, onze prisonniers. Ouais, il faudrait faire des nouvelles cellules, mais là, je peux pas en accueillir plus. Combien je recevrais si jamais je fais des high risk? 11 et 11. Je peux pas, merde, je peux pas, je peux pas. Ouais, mais Clofing, ils me font chier, ils en branlent pas une là. Ils font chier ces cons. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Réfléchissons, réfléchissons. J'en ai deux qui sont bientôt libérés et je vais en accueillir 11. Donc, si je veux remplir ma prison, il faudrait que j'arrive à 19 prisonniers et que j'en accueille des nouveaux. Le problème, c'est qu'en attendant d'atteindre 19 prisonniers, ça va être dur. Ça va être horriblement dur. 4 prisonniers bientôt. Alors, attendez, ouais, du coup, ça m'irait.
Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faudrait que je sache, excusez-moi, quand est-ce qu'ils sont libérés? S'ils sont libérés bientôt, ça me va, je les libère, on est tranquille, tout va bien. Je touche rien du tout, quoi. Puis ça, moi, plus je perds du cash flow. 0 hour, 3 hours. Ok. Donc, je pense que je peux accueillir de nouveaux prisonniers. À 6 h, parfait. Bah oui, bien les autres sont partis. Ça me va. Par contre, le souci va être que je vais avoir besoin d'engager un nouveau garde, je pense. Sinon, ça va être trop compliqué. Bien. Est-ce que je peux... Ah, sofa chair double, c'était ça en fait, d'accord. Très bien. Bon, très bien, ça se goupille plutôt bien, finalement. Moins 1 hour. Il faut que je règle ce problème avec la laundry en fait, parce que ça bug. Ça bug, ça bug. Jour 10, nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde. Bon, vivement que vous rêvez et que vous vous cassiez, parce que là je commence à avoir des problèmes de... De place, n'est-ce pas? Ah, j'ai reçu un message sur Facebook. Veuillez m'excuser. Oh putain, en plus c'est pour une vieille pétition. Dégueulasse. Voilà, 30 h 30. 1240, c'est la joie, je vais regagner de l'argent. J'ajoute un garde C. Histoire qu'on ait de la safety. Parce que là, ils ont du boulot. Bon, ça, finalement, on arrive peut-être à sortir la tête hors de l'eau. 18 prisonniers. Non, 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 non. Close, close, close. Calmos, calmos. 18 prisonniers, quoi. Comme une certaine violence. Bon, reste 27 $, ça va être dur. Il faut que je fasse marcher cette laundry de merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un seulement là-bas? Quelqu'un était-il en train de work? Personne! Voilà, est-ce qu'il fallait que je fasse ça? En fait, c'est débile depuis le début, je me casse les couilles pour rien. Dites-moi. Dites-moi, bon sang. C'est quand la prochaine heure de work? Là, il y a du yard et après il y a du work. J'espère qu'on va avoir 10 prisonniers qui vont aller là-bas. Comme ça, ils arrêteront de me faire chier avec. Needs, ça va, à part clothing. Après, ma prison est bien équilibrée pour l'instant. Il y a juste ce putain de problème de clothing. Dites-moi qu'il y en a qui vont. Working, working, vas-y, work, work. Non, les mecs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui! Eh oui? Oh putain, ça y est. Oh, ils ont compris. Oh là 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 là.
Oui, putain, ça y est, ils le font. Oh oui. Oui. D'où Jésus. Ça coûte la peau du cul, cette merde. D'accord. Ah ouais, merde, mais là je suis au fond du trou en fait. Non, ça va, finalement, je suis pas au centre. Non, je suis pas au fond du trou, c'est faux, c'est. C'est bof, c'est kiff-kiff, c'est. Bon, il me faut mon revenu là. Il me faut mon revenu pour sortir la tête hors de l'eau. C'est moi où le janitor est beaucoup plus efficace qu'avant, j'ai l'impression que c'est. Ça a l'air moins sale. Allez, il me faut toucher mon revenu, moi. Vu qu'il se lève plus tard, est-ce qu'on peut pas gratter? Oh putain, de l'argent. Ça faisait tellement longtemps. Je vais mettre 2. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'argent, tiens. Ça fait plaisir. Ok. Bien, du coup, cette salle me sert plus à rien vu qu'il n'y a plus de problème. Ça, c'est bien. C'est bien, ça, moi j'aime bien. En tout cas, ils ont. Je vais mettre plus de work, c'est triste mais. Voilà, ça sort plutôt bien finalement. J'ai 2 solitaires qui ne me servent quasiment plus, c'est magnifique. J'ai 30 prisonniers sur 30, c'est magnifique. Et dans un jour, j'aurai assez de fric pour chercher le développement de la surveillance. Bon, le problème étant qu'après, je n'aurai plus de sous. Mais. Les 24 dernières. Oh oui, non, mais je suis bête. Les 7 derniers jours. 6 heures. Owner. Après, il trouve. Tout ce qui est dangereux, ça vient d'ailleurs. Oula. Oula. Ah, d'accord. Ah, ouais. Richard Steele, il est problématique, je crois. Ok, donc. Lui, là, faut le surveiller. Lui, là, il déconne zéro. Il déconne zéro quoi. Hop, bientôt la fin du slip. Et notre journée 11 va commencer. Oula, oula, oula. Trois points d'exclamation. Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Hygiène. Ok, il y en a qui. Alors, il peut-être passe. Peut-être que j'augmente la douche. What? Oh putain, je trouve que ça avait bugué. Alors les work, ah parfait. C'est bien, allez-y. On va éteindre shower. Éteint qu'on a un peu de fric. Où c'est que c'est les têtes de douche?
D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais prendre un sprinkler. Et au cas où, je vais en mettre quelques-uns. Vu que j'ai de l'argent, j'en profite. Vu que j'ai de l'argent. Comme on dit, tant qu'on a de l'argent, hein. J'ai 650 heures encore, c'est magnifique! Ok. Du coup, il devrait y avoir moins de problèmes de clothing, voilà. Blade. Satisfied, ouais. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais devoir faire une deuxième laundry du coup? Parce qu'ils sont 10 à bosser dedans. Mais est-ce que ça suffit quoi? Et est-ce que je pourrais pas commencer à envisager de... De faire une autre laundry histoire qu'il y ait plus de monde dessus. J'ai l'impression que ça bug un peu beaucoup quand même. Je veux dire, là, les mecs ils sont un peu en train de m'embraler. Bienvenue dans les nouvelles douches, les mecs. Et personne se douche, c'est magnifique. Une shower par jour, elle est suffisante. Parfait. Du coup, vous allez travailler une heure de plus. Mais en compensation, je mets une heure de yard en plus. Voilà. C'est pas beau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24. Ouais, en gros, si jamais il se bouge un peu les fesses, ça passe super crème, quoi. Parfait, ben en tout cas, je vais vous laisser sur ça, hein. On a quand même réussi à bien remonter la pente, je pense. J'espère que cet épisode de Prisoner Architect vous aura plu, et je vous retrouve très prochainement pour la suite, et je vous dis ciao les gens. Attends, on va attendre minuit quand même. Sinon, money, ding ding, yeah.